Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo hardware sur ma chaîne. Et on va commencer très fort puisque j'ai décidé de vous présenter mon nouveau setup. Mon ancien PC avait déjà 5 ans, il était un peu fatigué pour pouvoir vous produire du contenu de qualité, donc j'ai décidé d'en acquérir un nouveau. Bien entendu, vu mes connaissances, j'ai décidé de le monter tout seul, de choisir tous les composants. Je suis juste un peu déçu au niveau de la carte graphique parce que j'ai pas pu me fournir celle que je voulais. Donc je vous laisse la surprise. Vous verrez du coup dans ma configuration actuelle que j'ai gardé mon ancienne carte graphique, la Nvidia GTX 960. Bon, même si cette carte graphique commence à dater un petit peu, elle me permettra quand même de tenir. Surtout vu la configuration que j'ai fait pour la tour, on va dire que c'est pas gravissime. Je vais vraiment pouvoir attendre les nouveaux stocks. J'espère qu'ils seront assez rapides d'ailleurs. Autant vous dire que je suis très excité de vous dévoiler aujourd'hui ma nouvelle configuration et mon nouveau setup. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Franchement, j'ai vraiment pris plaisir du début à la fin de la conception de cette vidéo. J'ai fait le choix de ne pas incorporer directement dans la vidéo toutes les spécifications de mon setup, que ce soit au niveau de ma tour ou au niveau des différents périphériques. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez toutes les informations directement dans la description, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Pareil, prenez le réflexe de toujours bien regarder mes descriptions de vidéos. J'y ajoute souvent des informations utiles et vous avez aussi tous les liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc ne perdez pas un instant et allez checker ça pour ceux que ça intéresse. Allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça, je vous laisse avec la vidéo, profitez bien.
Ça y est, vous avez enfin pu découvrir mon nouvel ordinateur, mon nouveau setup. Je suis vraiment content d'avoir réussi à réaliser ça parce que ça correspond vraiment à mes attentes. Tout me plaît, le choix du matos, les couleurs, bah forcément, hein, c'est moi qui l'ai choisi, donc automatiquement ça correspond à exactement ce que je voulais. À travers cette petite vidéo, je voulais surtout vous montrer que même dans un espace très réduit, on peut quand même réussir à faire quelque chose d'agréable et de très joli. Je sais pas si on arrive bien à se rendre compte dans la vidéo, mais l'espace où j'ai pu mettre mon bureau est très réduit. Le bureau mesure 110 cm de large, c'est dans la chambre. Donc j'ai pas beaucoup de recul également, donc c'est clair que c'est pas à la hauteur de tout ce que vous pouvez déjà voir des setups très impressionnants sur YouTube, mais c'est un setup qui peut potentiellement beaucoup plus vous ressembler. En tout cas moi j'en suis content, ça me satisfait, je peux faire beaucoup de bon travail avec ça, donc j'ai plus aucune excuse, je dois vous fournir des vidéos de très bonne qualité. J'en profite également pour vous dire que les tests vont reprendre, au fur et à mesure vous allez voir des tests débarquer sur la chaîne. Ce sera pas sur des nouveautés, je vous le dis, ce sera même des fois sur des jeux qui datent parce que j'ai pas eu le temps de les faire. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous serez présents. Et comme vous le constatez aujourd'hui avec cette vidéo hardware, c'est la première d'une longue lignée. Ce sera régulier, il y aura une vidéo par semaine, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez bien au pouce bleu, pensez à vous abonner et à partager. Et comme toujours, pensez bien aux petits liens qui sont ici, ça vous permettra de faire ça plus facilement. Je vous laisse, je vais profiter de ce nouveau setup et je vous dis à très vite. Salut à tous.